8 décembre, toutes les paroisses de France fêtent l'Immaculée Conception. Mais en cette année 2018, dans le doyenné des rives de la Seiche, un autre événement majeur est l'objet des prières de l'Assemblée. La bénédiction de l'ermitage paroissial Notre-Dame du Désert. Frères et sœurs, nous avons donc fait un voyage extraordinaire. Nous avons traversé la Vilaine pour venir célébrer ce matin la fête de l'Immaculée Conception dans cette église dédiée à l'Immaculée Conception de Pont-Réan. La deuxième raison pour laquelle nous sommes en fête aujourd'hui, c'est bien sûr cette bénédiction de l'ermitage paroissial que nous allons vivre dans quelques instants. Ça ne se fera qu'une fois. Et nous le savons, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, et on est heureux de vivre ce moment-là ensemble. Cet ermitage, initié et porté par la fraternité Notre-Dame du Désert, s'inscrit dans la tradition chrétienne catholique, en communion avec les paroisses du doyenné. Pendant le temps de prière, l'assemblée était particulièrement en communion avec les sœurs bénédictines de Notre-Dame du Calvaire de Jérusalem, auteur de l'icône de Notre-Dame du Désert, qui prendra place dans l'oratoire de l'ermitage. Elle se lève sur la mer. C'est sur le terrain d'Isabelle et David Laurent que l'ermitage Notre-Dame du Désert a trouvé son écrin. Le père Olivier Roy, curé doyen, en présence du père Hervé Huette, à qui il a succédé et qui avait accompagné le projet aux côtés de la fraternité, a béni ce nouvel œuvre spirituelle paroissiale. Bienvenue chez nous, mais maintenant c'est aussi chez vous. Alors vous l'avez remarqué, pour venir ici, il faut tourner à la croix. Je ne sais pas si vous l'avez vu au carrefour. Il faut tourner à la croix. Si l'adresse postale est la Couperie. Peut-être parce qu'ici on est un petit peu coupé du monde. Vous savez comment on dit coupé en latin? On dit coupé au passé passé, on dit secatus, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas vérifié. Non, c'est ça, Olivier. Ce qui paraît-il a donné sanctus, secatus, sanctus, puis saint en français. Donc le saint, c'est celui qui est séparé, qui se met à part du monde, mais pour mieux y revenir, bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu, source et origine de toute sainteté, soit toujours avec vous. Dans l'ermitage que nous allons bénir, viendront des pèlerins de cette vie pour te chercher, Seigneur, toi, Dieu de l'univers. Alors implorons la bonté de Dieu, de qui vient tout bien pour leur guérison, pour leur purification et pour que tous ces pèlerins, et peut-être sans doute nous parmi eux, soient toujours conduits par l'Esprit Saint. Seigneur bénisse cet ermitage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avance. Puisque Dieu nous donne cet ermitage paroissial qui nous garde à l'intérieur comme à l'extérieur dans la paix que lui seul peut donner. Amen. Qu'il envoie toujours sur nous son Esprit Saint consolateur. Amen. Et vous tous qui êtes ici rassemblés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et chantons la joie du Seigneur. Aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie.
ça demande quelques compétences techniques. Alors on a fait appel à Sébastien et Guillaume qui sont là avec nous aujourd'hui. Plus on se rapproche de Dieu, et plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche les uns des autres. Lieu de silence et de solitude dans la nature, l'ermitage Notre-Dame du Désert est une proposition de la fraternité. Il nous offre de prendre du temps, hors du quotidien, quelques heures ou quelques jours, pour se poser, se reposer, se ressourcer par la prière, la lecture, l'écriture, avec la possibilité d'une écoute fraternelle ou d'un accompagnement spirituel.